Tout d'abord. Donc, d'abord, vous avez Pascal avec un costume de Concarneau. Voilà. Il faut savoir que la collerette qu'elle porte autour du cou demande des heures et des heures de travail. En Bretagne, il n'y a plus que deux personnes qui font ça. Et en fait, c'est un empaillage. En fait, vous mettez une paille par-dessus, une paille par-dessous, et après, vous amidonnez. Imaginez le travail. Donc, ça supporte évidemment pas la pluie et l'humidité, quoi, par conséquent. Donc voilà, je vais vous présenter Élodie avec un costume de Pontivy. Alors vous voyez, elle porte un heureux événement. Donc, elle a fait tout son possible pour être parmi nous aujourd'hui pour présenter la chorégraphie. Donc, je vais vous présenter la petite dernière, qui a rejoint l'amicale il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est Hélène avec un costume de Vannes. Après, vous avez Anne, avec un costume de Ploiret. Donc, c'est un costume de la région de, on va dire, Douarnenez, pour ceux qui connaissent. C'est à 5 km de Douarnenez. Et c'est un costume qui date de 1890, imaginez.
Donc après vous avez Alain avec un costume de Plougastel, tout le monde connaît les fraises de Plougastel, donc bah, là vous voyez le costume. Après vous avez Véronique avec un costume de l'île aux moines, donc c'est dans le golfe du Morbihan, voilà, une petite île dans le golfe du Morbihan. Ensuite vous avez Christine avec un costume de Châteauneuf-du-Fou. Le costume, vous voyez, est tout en perlé, donc il est très beau. Ensuite, vous avez Anne-Laure avec un costume de Pontivy aussi. Vous avez Justine avec un costume d'Enbon, donc c'est la région de Lorient. Et vous avez Delphine avec un costume du pays de Courlette. Et moi-même qui porte un costume du Haut-Léon, dans la région de Landivisio, à 30 km, on va dire, à l'est de Brest. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à nous rejoindre. Donc ça serait sympa, plus il y aura de monde, plus ça sera sympa. Donc les gens qui sont en costume, logiquement, savent les danser.